L'armée d'Azeroth, jadis si puissante, gisait parmi les ruines noircies et dévastées du fort de Stormwind. Les rares survivants n'eurent d'autre choix que de fuir au-delà de l'océan majeur, marqués par les terribles souffrances que leur avait infligées la redoutable horde des orques. Pressés de guerroyer à nouveau, les orques entamèrent promptement la construction d'embarcations afin de franchir l'océan majeur. Brûlant d'ouïr le vacarme des épées qui s'entrechoquent et de voir le sang couler à flots, ils voguèrent bientôt vers de lointains horizons. Les humains appareillés des armes forgées par leurs nouveaux alliés s'apprêtèrent à la hâte pour contrer l'assaut tant redouté. D'aucuns chargèrent les canons des nains, pendant que d'autres s'armèrent d'épées et revêtirent les cottes de mailles fabriquées de mains expertes par les elfes. Unis devant un seul et redoutable ennemi, les humains et leurs nouveaux alliés attendirent vaillamment sur la rive de la destinée, la déferlante vague des ténèbres. Bonjour à toutes et à tous, ici Wolfari, on se retrouve aujourd'hui sur Starcraft... Starcraft 2, oui bien sûr, Starcraft 2, est-ce que ça ressemble à Starcraft 2? Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, on se retrouve aujourd'hui sur Warcraft 2, c'est l'habitude du 2 en fait, c'est pour ça, Ties of Darkness. Et oui, et alors je sais que je le dis souvent quand je sors un vieux jeu, mais ça, vraiment, ce jeu-là, particulièrement celui-là, c'est celui qui a fait toute mon enfance. Is it a good day to die? Pour ceux qui savent, vous avez mon respect. Ah là 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 là. Les cheat codes. Bref. Et j'avais... écoutez, je me suis dit, pourquoi pas, Je me suis dit que ça pouvait se faire, voilà. J'avais de toute façon envie de faire... Oui? Je? Oui, juste. Ah oui, juste quoi. Bon, en fait, putain, c'est n'importe quoi, arrête ça. Mais oups, non. Voilà. Mais bref, j'avais envie de faire simplement un petit peu de Warcraft 2 parce que c'est cool Warcraft 2. Je me suis dit que de toute façon, j'allais faire les Warcraft 3, mais je me suis dit avant de faire Warcraft 3, faisons Warcraft 2 parce que ça me paraissait logique. Et écoutez, voilà. Je vais jouer seul. Je sais même pas si sur DOSBox ça marche en fait. Parce que je suis sur DOSBox, hein, pour ceux qui ne savent pas en fait DOSBox. Enfin, Warcraft 2 est un jeu tellement vieux, je pense que attends, il doit dater de. Est-ce qu'il y a moyen de voir? Ça me surprendrait qu'il y ait moyen de voir. Mais je pense qu'il doit dater de 90 et quelques. Je crois que c'est 95. Je dois dire une grosse connerie, peut-être 93, je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, dans les années 90, et ouais. Durant les années 90, en fait, la plupart des jeux passaient sous DOS. DOS qui était une exclusivité à Windows, bien sûr, tout ça. Enfin, à Microsoft, pardon. Et tout ce qui était Windows 95 jusque XP, je pense. Ils avaient... Non, je... Arrête de donner des aperçus. Oui, c'est très cool et tout ça, mais j'aimerais bien parler. Merci. Bref, du coup, vous allez vous manger la musique en boucle, c'est n'importe quoi. Mais oui, si vous voulez, en fait, les vieux jeux, ils tournaient sous DOS. Et DOS n'existe plus dans les nouvelles versions, en fait. Il y avait des problèmes de compatibilité avec Warcraft 2 dans... Sur, tout simplement, XP. Hein, on était obligé de passer la carte son en MIDI. Ce qui fait que ça faisait très funky comme musique. Ça donne pas l'effet qu'on a maintenant. Et bref, j'ai arrêté de parler dans le vent, on va faire jouer seul, nouvelle campagne, la campagne des orques. Parce que ma vie est pour la horde, je suis un hordeux les gars. Et ouais, c'est comme ça.
Sireny aime orque chasseuse, j'en ai rien à foutre, je suis dévoué à la horde. Eh ouais. Oui, oui, je sais, les worgens, tout ça, ça n'existait pas à l'époque, hein, voilà, donc j'ai toujours été du côté de la horde, voilà, bref. Acte 1, les mers de sang. La horde s'apprête à s'élancer à l'assaut des terres de Lordaeron. Orgrim Doomhammer, seigneur de guerre de la horde des orques et chef du clan Blackrock, vous commande d'établir un avant-poste sur la côte, au sud de Lordaeron. Pour asseoir la domination des orques sur la région de Zul'dar comme Doomhammer l'exige, il vous faudra construire une base militaire et des fermes pour nourrir vos troupes. Si vous remplissez votre mission, nous pourrons savoir combien vaine est la défense des humains et quelle faible résistance ils peuvent nous opposer. Très bien. Orgrim Doomhammer. Eh oui. Oui, vous avez remarqué, dans l'introduction, ils ont dit Stormwind. Stormwind. Parce que Hurlevent n'existe pas. Voilà. Hurlevent, c'est de la merde. Et puis c'est tout, et qu'est-ce qu'il me fait? Ah bah ok, il me lance directement le jeu, très bien. Bah tant mieux, voilà, parce que... Voilà, c'est comme ça, c'est tout, hein, voilà. Donc, très bien, alors je vais juste faire un truc, ça doit être dans options, non, pas préférence, vitesse, voilà, c'est ça, hop, on va faire ça comme ça. Ouais, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. J'ai vu autre chose, préférence. Interface souris style Warcraft 1. Oui, mais j'ai pas connu Warcraft 1 par contre, ça oui. Donc je vais mettre ça. Brouillard de guerre, on peut le désactiver, mais c'est de la triche. C'est de la triche, on est d'accord. Bref. Voilà, voilà. Nous avons trois petits grunts avec nous. C'est le nom, hein, c'est des grunts. Hop. Et nous avons les péons, c'est... Ben, les péons sont des péons, j'ai envie de dire, et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils péonnent, et puis c'est tout, ils se posent pas davantage de questions. Voilà, donc notre objectif était de faire 4 fermes, donc on en a déjà une, donc il en reste plus que 3 à faire. Il faut faire également une armurerie. Et écoutez, pendant que tout ça se fait, voilà, qu'on a besoin de davantage de nourriture, donc j'ai très bien fait de commencer par une ferme, je propose qu'on aille explorer. Alors pour ceux qui veulent savoir, je pense que j'ai... Je pense que mon dustbox tourne à 30 000 cycles fixes, histoire, enfin parce que vraiment le défilement de l'écran comme ça ne passe pas dans d'autres situations. Enfin, il est bien trop rapide, du coup ça passe pas. J'espère que vous voyez pas l'icône de Shadowplay en dessous là. Donc voilà. Alors un elfe. Notre première cible est un elfe, parfait. Ah, les hauts elfes. Oh, c'est pas le nom elfe de sang qui va faire que je les aime pas. Non, les elfes sont cool les elfes sont cool dans Warcraft, dans l'univers de Warcraft. C'est con, mais c'est comme ça. Ça, vous me le tuez, je veux pas savoir. Merde, je vais déjà perdre un orc. Putain, j'ai déjà failli perdre un orc. Ça va pas le faire, ça. Ah, j'ai pas assez de ressources pour ça. Davantage sur l'or, s'il vous plaît. C'est lequel qui... Suis au centre. Ok, bon à savoir. Tu vas être un peu en retrait, tiens, du coup. Voilà. Allez à l'attaque. Mort à ces foutus elfes. Allez. C'est ça. Alors j'ai rien réglé d'autre, hein. Franchement, voilà, ça me convient très bien comme ça. Je pense que je vais faire une campagne. Je sais pas si je ferai celle des humains parce que il me semble que au début, enfin du moins au début, c'est globalement la même chose parce que là c'est un didacticiel en fait. Hein. Mais un didacticiel à l'ancienne, évidemment. C'est ça le truc. Par contre, je vais essayer d'éviter de perdre mon dernier. Ouais, attends. Attends. Il me semble qu'il y en... Non, je pense qu'on a tout fait, là. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, je pense que ça va être bon, voilà. On a fait le tour, voilà. On n'a plus personne. Bien, pendant ce temps-là, ici, toi, tu vas faire une base militaire. Parce que... Hop, voilà. Ouais, je pense que c'est bon, on a fait le tour et tout ça, il y a une autre mine d'or là, c'est cool. Voilà, ça sera bon. Oh putain, ce jeu. Si vous savez à quel point ça fait plaisir de jouer là-dessus. Oh oui, oh oui. Oh, c'est cool. Par contre, j'ai l'impression que mon son sature un petit peu sur Audacity à côté, parce que du coup, il a bugué un petit peu quand j'ai mis en plein écran et il s'est mis un peu sur le côté. Je sais pas, c'est bizarre.
J'espère également qu'au niveau de l'écran... Ouais non, ça c'est pas encore trop choquant. Enfin si, c'est un petit peu choquant quand même en fait. Ouais tant pis, il est un peu étiré hein, parce que c'est pas un jeu 16/9 à la base, forcément j'ai envie de dire. Tant pis, voilà. Et je pense, cette vidéo sera donc disponible en 720p puisque il n'y a pas besoin d'avantage en fait, je pense hein, que c'est suffisamment clair là-dessus. Ouais donc 720p ça sera largement suffisant je pense. Et je sais pas, je verrai si je fais en 30 ou en 60 en 30 ou en pas en 60 fps. Là-dessus ça n'a aucun sens. Regarde la caméra déjà comme elle a du mal. ouais, je pense que j'hésite entre 25 ou 30 fps en fait. On verra bien. Mais vraiment ce jeu ça fait tellement plaisir de jouer dessus quoi. Oh là là. Oh si vous saviez. Si vous saviez. Oh oui, mais complètement là. J'espère par contre que j'aurai pas de soucis sur comment ça s'appelle à la capture, parce que j'ai pas testé en fait la capture en plein écran en soi hein. Genre vraiment pas. C'est ça le truc. Et puis ça sera bon. On pourrait utiliser les cheat codes, voilà, genre un petit hop. Ah oui, merde, par contre... c'est un clavier QWERTY que j'ai, donc ça passe pas. Ah, mon dieu. Il est là, le M, voilà. Je pourrais... balancer ceci. Mission accomplie. Mais on va pas le faire, hein, parce que voilà. Je pense que c'est juste parce que le jeu est en français. Non, attends, on va pas traîner. Ah, j'ai besoin de plus de bois. Faut combien de bois? 250. Tu m'apportes combien, toi? Ah bah, parfait, voilà. Pouf. Très bien. Et on peut faire un grunt de plus? Ah, on peut pas. C'est triste. Ah, on n'a pas assez d'or. Bah, oh, ça viendra. On pourra en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'or plus tard. Et vous noterez également, hein, que, voilà, il y a un petit peu de glace et de neige sur les bâtiments. Ce ne sera pas toujours le cas, c'est juste parce que là, c'est une map neigeuse et puis c'est tout. Voilà, bêtement. C'est cool. Allez, petit bâtiment, fini. On n'a pas que ça à foutre. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouverture du royaume Légion le 31 octobre, machin. Attends, Légion, what? Ah oui, ok, c'est un serveur privé, c'est pour ça, bref. C'est parce que j'étais il y a longtemps sur un serveur privé. Mais je suis passé sur serveur officiel depuis, monsieur. Pourquoi tu me balances ça? Il faudra que je vire ça. Et voilà, félicitations, la victoire est vôtre. Et ouais. Je vais pas sauvegarder là-dessus. Voilà. J'ai oublié le 2. Attends. Ouais, non, c'est juste que là, j'ai eu de la chance, en fait, d'accord. Bien, ben voilà, sauvé. Très bien. Victoire. Esclave. Ah bon, esclave? Comment ça, esclave? Mais non. Pourquoi esclave? J'ai bien géré. Nation de Azeroth. Eh ouais. Le clan Batrock, Blackrock. Je me demande s'ils ont traduit ça aussi, tiens. Dans la VF, du coup, de World of Warcraft. Parce que même dans Warcraft 3, c'est toujours les noms anglophones, hein. C'est ça, le truc. Je comprends pas pourquoi ils se sont décidés de traduire. Transmis par nos espions, selon lequel des soldats humains auraient pris en capture Zul'jin, le chef des trolls, et son escorte. Ils seraient retenus dans un cachot auprès de la bourgade d'Ilsbrad. Doomhammer y voit une occasion de rendre ses captifs redevables de la Horde. C'est pourquoi il vous mande de libérer Zul'jin et ses trolls et de les escorter jusqu'à leur camp situé non loin de là. Le seigneur de guerre espère en outre semer, par cette attaque imprévisible, la terreur et l'effroi parmi les populations ennemies qui ont eu l'impudence de résister à la Horde. Zul'jin, Bae. c'est Bae. bref, non, plus sérieusement. Ah mais, déjà lui, hein, à l'époque, hein, ce type, bref. Et puis vengeance pour Zul'jin dans Warcraft 3, j'ai envie de dire quoi. Voilà, du coup on a une horde un petit peu plus importante. Toi tu vas gentiment me faire une ferme supplémentaire. Parce que on est bien saturé. Comme il faut. Il va me manquer de quoi faire un péon. Putain.
je pourrais attaquer directement en fait, on s'en fout de la base, c'est con mais c'est comme ça. Malheureusement. Je vais quand même, par acquis de conscience, voilà, faire une ferme supplémentaire, tout ça. Quoique, non, Fuki, on s'en fout, on avance. On avance, rien à foutre. Rien à foutre. Voilà, on va mener un assaut contre ces saloperies d'humains. Un elfe. Alors lui en saut à la merde. Je pourrais accélérer un petit peu le jeu, ceci dit. Juste un tout petit peu, pas grand chose, hein. Vitesse de jeu. Voilà, hop, voilà. Ça devrait déjà être un... Ouais, du coup, on a l'impression qu'ils sont en train de sprinter. C'est n'importe quoi. Toi, hop, l'or. Toi, tu peux pas... Oup, on se fait attaquer. Hop, attaquer. Bon, l'IA laisse un peu à désirer quand même. Hein. Elle est pas excellemment intelligente. Voilà. Des humains de moins. Ouh ça, détruisez-moi ça, je veux pas savoir. Vous les voyez les orques, les trolls pardon, qu'est-ce que je raconte? Voilà, un de moins, bien. Toi tu peux me faire normalement ça en plus. Oula. J'ai toujours pas perdu. 3 PV le type, hein. 3 PV, il s'en sort. C'est magnifique. Bref, détruisez-moi ça. Toi, oui, le bois. Parce qu'on va en avoir besoin un petit peu. Bien, continuez, hein, oui, voilà, continuez, je veux pas savoir. Voilà, et eux, ils sont donc sous notre contrôle, c'est cool. Voilà. Vous m'appelez... Et Zul'jin, putain de bordel de dieu. Zul'jin. Il y a toujours ses deux bras. Notez. Hein. D'accord. Enfin, je suis en train de dire ça, mais ouais, la moitié des gens ne comprendront pas pourquoi je dis ça. C'est pas grave. Je peux pas vous en vouloir. Le lore de Warcraft est tellement énorme que... Je peux pas vous en vouloir, même moi je le connais pas complètement, donc voilà, je peux pas vous en vouloir pour ça. C'est juste beaucoup trop dense quoi. Qu'est-ce que tu me fais? Mais avance. Oui, un jour, je sais pas, fais des choses. S'il te plaît. Alors oui. Alors oui, hein, 9 personnes tu pouvais sélectionner. Hein. Alors autant je râle un petit peu sur Warcraft... Enfin... Autant tu vois, tu peux râler sur certains... Oula, wow. Lui meurt, je veux pas savoir, putain. Je vais perdre mes orques, hein. Je vais perdre mes grunts, à force. Vraiment. Allez, on les tue tous, je veux pas savoir. Tabu. Merde, il m'en manque un, il est... Qu'est-ce que tu fais là? Oh, petit troll quoi. Ah oui, par contre. Vous m'appelez... Qui je dois te... Vous m'appelez... Vlai une hache pour vous. Dites bonjour à mon petit ami. Ça par contre c'est mal traduit et à l'heure actuelle ça peut porter à confusion, oui. Putain sérieux? Putain. Bon c'est pas grave, on s'en fout de toute façon. Mais oui, son petit ami il parle de sa hache. En anglais ça donne what? Say hello to my little friend. Mais voilà, ça passe un peu moins bien en VF, malheureusement. Très bien, très bon chef. Mais les grunts sont les mieux quand même. Glorduk. Quoi? Oui. Attention. Ah. C'est raté. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Mon estomac est bizarre.
désolé. Voilà. Et aussi, hein. Quoi? Ah bon? Attention! Ah, ils disent la même chose. D'accord, ça je l'ignorais. Enfin, non, c'est pas que j'ignorais, mais ça... Je savais plus du tout, j'ai complètement oublié ça. Voilà donc le contrôle. Bien! Salut! Tudim! Tudim! Lui qui est toujours perdu derrière, putain. Vas-y, rejoins tes potes, voilà. Et donc le cercle de pouvoir. De puissance. De pouvoir, j'avais raison. Je crois que de puissance, c'est du côté Alliance, je ne sais plus. On verra bien. Bref, Zul'jin. Les orques, les trolls, pardon. Putain, sérieux. Allez là. Merci. Parce que c'était l'objectif, hein, objectif du scénario. Sauver Zul'jin et le raccompagner au sac de pouvoir. Voilà. Allez, plus de son débile encore. Plus de son débile encore. Voilà, alors je vais continuer à sauvegarder. Voilà, on va sauvegarder là. Oui, et voilà. Victoire. Mais toujours esclave, hein. Mais c'est en rapport avec le score, si je me trompe pas. D'ailleurs, si tu triches, il dit qu'il est complètement grand tricheur. Et ça, c'est très drôle. Mais bon, perte. J'ai perdu des gens, moi. J'ai perdu des gens. Ah bon? Ah bon? Ou c'est perte causée? Parce que eux, ils en ont aucune. Ouais, je pense que ça doit être ça. Je sais plus.